messieurs, nous vous souhaitons une excellente réception radiophonique. Travail, justice, solidarité, j'aime bien mon pays. Le colonisateur est venu. C'est-à-dire la fumée là? Il a construit des ponts. C'est comme un mur. Des routes. Nous avons eu deux présidents en 50 ans. Des hôpitaux. La France a volé tout le stock d'or qu'il y avait à la Banque centrale de l'Union. Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique. Guinée ici, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui est travaillé. Notre mari ne travaille pas. La commission minière. C'est ça? Nous avons vu. Nandega Kobir détourne mané. Aruni Kanama. Pays d'État, tu vois la paix de Naï. C'est un pouvoir purement militaire. C'est ce clan. Il n'y a pas de réconciliation devant la fin. Courant. Ndia. Nyamete. Merci. L'assistance que nous apportions à ce pays pour moderniser son armée, évidemment, va être suspendue. Est-ce qu'on n'a pas réagi finalement tardivement? Pourquoi cette décision aujourd'hui? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des insurrections, qu'il y a eu des massacres. C'est la langue de nostalgie, pas le bouc. Je suis pas un demandeur. Daddy sous la mort. J'ai entendu ça à la télé. Le président. Le G8. Les Français qui veulent de Guinée. Le peuple de Guinée qui ignore la dictature du pouvoir. Après l'élection, on va voir ce qu'il vous plaît. Après l'élection, plus il va bien. Hein, c'est pas possible. On venait me répondre. Gardez-vous mon commandant. C'est grand changement. Parce que nous, les jeunes, on n'a plus d'avenir. C'est bon, c'est bon.